Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro 11 de notre petite saga sur Mass Effect. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement relancer notre dernière sauvegarde. Donc on se souvient, dans la dernière partie, finalement, on avait décidé du sort de la reine Arachnie, et on s'était aussi occupé de Benedir, qui nous avait remis des données assez intéressantes. Cela dit, je vais en profiter pour le dire maintenant, parce que sinon je pense qu'après j'ai oublié, mais vous aurez peut-être constaté que la dernière vidéo n'était pas top, parce qu'en fait, effectivement, j'ai eu quelques problèmes au niveau de l'encodage et de YouTube. Visiblement, il y avait un bug qui fait que il y avait des espèces de fritures presque tout le long de la vidéo. Alors, surtout au début et à la fin, mais aussi le long de la vidéo, il y avait aussi quelques fritures. Parfois, notamment dans les explosions de lumière, ça faisait des petits carrés. Alors, je sais pas de quoi ça vient. Mais c'est vraiment très bizarre, parce que moi, sur ma version originale, même une fois qu'elle était montée, ça ne faisait pas ça. Donc c'est vraiment bizarre. Donc je m'excuse évidemment par avance, mais alors le problème, c'est que vous vous dites, oui, mais Balthazar, t'as qu'à la remonter et la reposter. C'est ce que j'ai fait, mais je vous assure que ça faisait le même résultat. Alors il y a deux hypothèses, soit le fichier d'origine, donc carrément la capture d'origine, était foirée, et quoi que je fasse, ça faisait des petits carrés comme ça, des fritures, soit c'est YouTube qui m'a modifié ce format ou cette capture, et qui fait à chaque fois ça, voilà. C'est les deux seules hypothèses que j'ai pu faire, parce que sinon c'est pas possible, voilà. Alors à savoir que j'ai fait quelques nouveaux tests, et j'ai peut-être changé mon format d'encodage, donc ça fera peut-être une différence, on verra. Donc normalement, le problème devrait être réglé. Normalement. Si on se souvient bien, il nous restait une chose à faire avant de partir de cet endroit, c'était de nettoyer les labos fortifiés. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, du coup, là, maintenant, c'est fermé, apparemment. Donc, on va se rendre vers les labos fortifiés. Alors, Yaroslav Tartakovsky. Vous venez sécuriser le complexe ? Si par sécuriser vous voulez dire massacrer tous les monstres, alors oui. Je comprends que vous soyez énervé. Mais ce qui arrive ici, c'est notre faute, vous voyez ? Parlez, mais faites vite, le temps presse. Twinelix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Franchement, moi, si j'avais trouvé ce genre de choses, c'est comme dans Alien, Moi, j'aurais tout de suite détruit l'œuf. Pourquoi ne pas l'avoir détruit ? Pourquoi le faire éclore ? Twinelix voulait cloner les Rachni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachni seraient plus obéissants. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mâle ? Les reines Rachni naissent avec le code génétique de leur père. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie en quelques jours. Leur croissance est très rapide. Séparer les Rachni de leur mère n'a servi à rien. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachni ne se développent pas correctement.
C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Bon, alors ça, c'est bien charmant, cette petite histoire, mais moi, je fais quoi dans cette histoire? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il ne faut pas tuer les Rachnies? Non, au contraire. Ces Rachnies sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Elle fonctionne comment, cette bombe? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et... il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. Bon, alors il pourrait me briefer, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé... et ensuite, je donne le code à Mira pour... Donc là, visiblement, il s'est fait tuer par un Rachnie, hein. Donc, évidemment, on va s'occuper de ce larron. Heureusement, il n'y en avait qu'un. Alors, obtenir le code de la bombe. Donc ça, c'est bien. Donc là, apparemment, il n'y a plus de Rachnies, donc ça, c'est bien. Donc, on va poursuivre. Donc là, a priori, ce qu'il nous a dit, c'est d'activer la bombe. Là, il faut tout détruire maintenant. Donc, on va sauvegarder, parce que je sens que là, il va quand même se passer un truc assez important. Là. Alors ce que je ferais maintenant, c'est que au cas où ça soit ma capture qui foire, je vais quand même faire des sauvegardes en parallèle, hein, voilà. Au moins jusqu'à la fin de cette vidéo, je sauvegarderai sur un emplacement précis, comme ça si la capture foire, bah, je referai le let's play, hein, tant pis, mais ça sera mieux, hein, parce que d'avoir des petites fritures, hein, ça m'a pas trop plu, hein. Mais je pouvais pas faire autrement parce que justement, vous l'aurez compris, si ça venait de la capture, je pouvais pas refaire cette capture, hein, parce que j'avais déjà sauvegardé sur des sauvegardes antérieures, hein, donc j'aurais pas pu de toute façon le refaire. Allez, donc c'est sauvegardé, donc on ouvre le terminal de Mira. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? Combien y a-t-il de Rachnies dans le complexe? Désolé, mon réseau de capteurs est trop endommagé pour vous fournir une réponse précise. Donne-moi au moins une estimation. Je n'ai pas été conçu pour faire des estimations, commandant. Je veux un rapport détaillé sur l'état actuel du complexe. Brèche de confinement dans le module Gamma. Bombe neutronique fonctionnelle, mais non armée. Bon bah, du coup, on va lancer l'autodestruction, hein, c'est parti. Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. Donc, ça tombe bien, parce que je l'ai pris sur le cadavre du gars. Autorisation 875-020-079, exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Ok, c'est parti. Donc on va pas traîner, parce qu'on a un timer là apparemment. Alors, on va faire attention. Non, ça marche pas déjà. On va le faire sur la cible, ça sera mieux. Et on y va. Putain, l'autre il est devant, là, dégage. Ah ouais, alors, faut peut-être faut les mettre de côté, parce que sinon, ça va pas le faire. Attention. Donc évidemment là le problème c'est que la bombe est enclenchée, hein. Donc je vais me mettre en pause, hein, pour parler, mais oui, donc je disais, la bombe est enclenchée, donc ça pose un petit souci. Je sais pas si vous avez vu le radar, hein, mais il y a 1 million de bestioles devant nous, hein. Donc il faut réduire le nombre pour pouvoir au moins passer correctement. Donc ça va être chaud, hein, et on a que 1 minute 32, hein, pour faire le boulot. C'est parti. Donc là, on va recharger les talents. Et il faut impérativement la déchirure, là. C'est obligatoire. Quand je me fais toucher, là, c'est chiant. Voilà, j'esquive, putain. J'esquive.
fasse gaffe là. Alors, on va faire choc neuronal. Je vais mettre un petit médigel. Ah, j'ai pas le temps de tirer, Clotaire, elle retire déjà. C'est problématique ça. Voilà, ça en fait un de moins. Oh merde. Fais chier. Le problème c'est que je perds la cadence avec le fait d'esquiver les tirs. Vu qu'il tire toutes les deux secondes, c'est un peu relou là, franchement. Allez, on repart. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du... Désolé, je n'ai pas été conçu pour faire des... Active la bombe neutronique. Désolé. Allez, c'est parti. On repart. Donc cette fois, on va pas faire de la merde. On va les mettre là-bas direct. Alors, ça commence bien, déjà. Déchirure plus... Là, un de moins. Voilà, ça en fait un de moins. Donc là, on va faire... recharge de talent, esquive, et on va le bourriner. Ça en fait un de moins encore. Il reste combien de temps? Il reste une minute, hein, quasiment. Donc là, ça va être chaud. Hein. Ah, si en plus je fais surchauffe, ça en fait encore un de moins, mais il y en a un autre qui est apparu. Ça, c'est pas de chance. Donc là, on va essayer les pouvoirs directs, hein, même si c'est surcharge, je préfère, parce que sinon... Il n'était même pas encore arrivé qu'il a tiré, c'est n'importe quoi. Donc là, je pense qu'on va plus avoir de temps, là, il faut tracer. Donc je vais essayer d'esquiver. Voilà. C'est quoi ce bordel? J'ai rien compris. J'ai appelé l'ascenseur, mais il était... Je sais pas s'il était bizarre, là. C'était... J'ai rien compris, là, franchement. J'ai rien compris du tout. Bon. Bon, bah, on recommence, hein. Tant pis. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Désolé, mon réseau de capteurs... Je n'ai pas été conçu pour... Désolé, je... Allez, c'est parti. C'est reparti. C'est bien parce que je leur ai demandé, c'est pour ça qu'ils se sont fait shooter, je leur demande de rester sur le côté, et qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Alors,
Du coup, Kaidan, mais c'est fou, hein, je leur demande de rester sur le côté, ils ne respectent pas ce que je leur dis. Ça, ça va pas du tout, évidemment. Ah, je suis... Putain. Ah, je suis désynchro, là, là. Je fais n'importe quoi, là. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Désolé, mon ré... Je n'ai pas été conçu. Désolé. Bon, alors là, cette fois, vous vous mettez là. S'ils comprennent bien ce que je leur dis, là, ces crétins de base. Allez. Non, qu'est-ce qu'il fait, là? Par là-bas, du coup. Allez. Putain. Voilà, donc du coup, là, on a perdu déjà 10 secondes pour des conneries de merde. Allez. Donc, cette fois, on y go. Et on fait plus de la caca. Non, mais je rêve. Ici, bande de cons. Oh là 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 là. Et je change d'arme, là, par d'advertance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? Ah non, mais là, ça m'énerve, hein, franchement. Je dirais que c'est... Faut esquiver les tirs des arachnides, alors... Hein. Je m'en suis pris, hein, quand même, dans la gueule. Ça va vite me gonfler, ça, je pense. Je peux pas tirer en plus. Il y a deux qui pointent. Ah là, c'est... En plus, j'ai quasiment rien fait, là. Je sais pas comment je vais faire. Il me reste 30 secondes, j'ai rien fait. Donc là, il me reste 20 secondes, je suis obligé de tracer. C'était chiant, hein. Voilà, donc là, l'explosion neutronique a eu lieu, hein. Et donc, je pense que on en a fini avec tout ceci. Reprenez le téléphérique par lequel vous êtes arrivé, hein, pour quitter la station de la faille. Voilà. Ah ouais, c'était chiant, hein, parce que du coup, là, il y avait mes alliés qui revenaient, alors je leur donnais un ordre. Et en plus, les rachnies, pour éviter leur tir, hein, c'est relou, hein, franchement. Donc, ce qu'on va faire, là, on a gagné un niveau, hein, donc je vais investir dans le dernier niveau de déchirure. Hein. Voilà. Là, ça va être excellent, maintenant. Kaidan Alelko. Alors, lui... Ouais, lui, j'avais dit que j'investirais maintenant dans l'évitation. Je crois que j'avais dit ça. Ça sera plutôt bien. Talizora. On va investir dans le dernier niveau de machiniste carienne. Et ça sera bon. Là, on va faire une petite sauvegarde, hein, d'ailleurs. Et on peut repartir. Donc là, on va reprendre le téléphérique. Hein. Mission terminée. Et voilà. Donc là, je pense, hein, qu'on va faire... on va discuter un peu avec l'équipage, hein, et on va faire quelques missions à la citadelle. Ça sera bien.
se détendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On va au relais mu? Il me semble bien avoir compris que avoir le relais mu ne sert à rien si on n'a pas la planète exactement. L'emplacement exact de la planète. Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va sa reine, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur sa reine. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Donc il est évident que c'est toujours moi le chef. Hein. Donc Liara Tsoni, elle commence un peu à me gonfler. Hein. Je ne vais pas me laisser manipuler par une Asari. C'est moi qui donne les ordres ici, compris? Pardonnez-moi, commandant, ce n'était que mon point de vue. Oui, mais le problème, faut que tu fermes ta gueule, d'accord? Je suis déjà assez gentil de la laisser dans le vaisseau alors qu'elle ne sert à rien, strictement à rien. Donc, il y a intérêt à ce que ça ne se reproduise plus. Affaire réglée. Équipage, rompez! Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? J'ai presque envie de dire non, mais comme la dernière fois, on sait jamais. Hein, si jamais ces crétins avaient quelque chose d'intelligent à me dire, bon, c'est quand même le conseil, hein, donc on peut estimer qu'ils ont certaines informations parfois. Donc je prends le risque, hein, même si franchement j'ai vraiment pas envie de leur parler. Je pense vraiment qu'ils servent à rien, mais bon, je vais quand même dire oui. Hein, allez. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, évitez de me couper comme la dernière fois, je ne trouve pas cela amusant. Donc déjà, il faut qu'ils évitent de me donner des leçons, hein. C'est la première chose. Gardez vos sermons, je vous contacte pour vous faire mon rapport. Ce rapport est exact, commandant? Vous avez trouvé des rachnies sur Noveria? Trouvé et anéanti! Vous prenez plaisir à perpétrer des génocides, Shepard? Le problème, c'est que c'était un peu la... C'est quand même une espèce hyper dangereuse, hein, franchement, donc ça c'est pas mon problème. Tout ce qui compte, c'est arrêter sa reine. Les Rachnies n'ont aucune importance. Votre mission est d'une priorité absolue. Soyez toutefois conscient que vos actes peuvent avoir de graves conséquences. Nous attendons votre prochain rapport, commandant. Bon. Je remarque, hein, vous aurez remarqué, alors après on va dire que c'est moi hein, qui en ai après le conseil, mais vous aurez remarqué qu'à chaque fois, ils ne servent à rien. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'ils ont fait en gros? Ils ont fait les inspecteurs des travaux finis. Hein. Mais guère plus, hein, ils ne m'apportent rien. Donc ces gens-là ne servent à rien, vraiment, je confirme. Donc il va falloir faire quelque chose hein, pour ces gens-là. Hein. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va aller discuter un petit peu avec nos amis, hein, notre équipage. Donc, on va commencer par Liara Tsoni. Hein, parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu bousculé tout à l'heure. Hein. Si vous venez me parler de la mort de Benezia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Il faut qu'elle l'oublie, hein, maintenant. Elle est morte. On ne peut rien y faire. Elle l'était déjà, bien avant de vous rencontrer. La grande dame qui était Benezia a véritablement succombé à Sovereign. Une partie de moi en veut à sa reine, une autre à Benezia, une autre encore se contente de pleurer sa mort. C'est un peu de la faute de sa reine, hein, quand même. C'est sa reine le responsable. Si j'étais vous, je crierais vengeance. Nous avons déjà assez de motifs pour arrêter sa reine. Inutile d'y ajouter la vengeance. Benezia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions arrêtés. À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains. Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser.
elle est un petit peu en train d'insulter les humains, là, quand même. Hein. On fait figure de clone, c'est ça? Je le répète, votre espèce m'était inconnue. Mais en vous observant, vous et votre équipage, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris sur les humains. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par intimidante, hein? Vous avez peur de nous? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Donc des gens comme moi, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi moi? Si le Conseil vous a choisi pour devenir Spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce que vous avez fait sur Torfan. Je n'ose imaginer l'horreur de la situation, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Donc ça veut dire qu'elle m'a espionné, hein, quand même. C'est-à-dire qu'elle s'est renseignée de manière complète sur moi. Alors maintenant, c'est dans mon passé que vous faites des fouilles. Je suis désolée. Je savais que c'était mal. Mais après notre dernière conversation, j'étais trop gênée pour vous approcher à nouveau. J'avais peur de me ridiculiser encore. Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Ah mais est-ce que c'est moi exactement ou la balise par exemple, hein? Parce que c'est vrai qu'elle est quand même spécialisée dans les artefacts protéins. Donc peut-être que c'est comme j'ai été en rapport avec la balise. Si je vous intéresse, c'est à cause de ma vision. Vous voulez juste en savoir plus sur les protéins. Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est mué en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams. Bah c'est vrai qu'elle est assez particulière quand même. Hein. Parce qu'en fait, on a des points communs, comme on l'a vu. Hein. Elle est assez portée sur les humains. Donc on a un certain nombre de points communs. Par contre, on n'a pas le point commun de la... du brio au combat, hein, ça c'est évident, mais Ash reste quand même assez spécial. Ash me plaît, oui, beaucoup. C'est bien ce qu'il semblait. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il existe une attirance mutuelle entre nous. Non, mais c'est vrai que Liara, bon, là on a un petit peu discuté vite fait, mais elle est assez intéressante, hein, aussi. Hein. Elle est encore un peu fraîche, mais c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Il y a quelque chose entre nous. J'en étais sûre. Mais... cela ne vous semble pas étrange? Comment se fait-il que je me sente aussi proche de vous? Nous nous connaissons depuis peu. Nous appartenons à deux espèces différentes. Nous n'avons presque rien en commun. Cela n'a pas de sens. Mais ça, là, on parle pas du sens, hein. C'est pas la logique qui entre en jeu, là. La raison n'a pas franchement son mot à dire là-dedans. Ça arrive, c'est tout, et on se fait emporter par la vague. Dit comme ça, cela semble si chaotique, si dangereux. Oh bah, de toute façon, j'ai toujours été un protecteur, hein, donc si elle a peur, hein, je ne suis pas contre, finalement, sauver la gamine en détresse. Vous serez en sécurité avec moi. Je ne cherche pas une protection. Tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas l'habitude de... ce genre de choses. De vous... il me faut un peu de temps. Non mais je rappelle quand même que c'est elle qui a commencé avec ses conneries. Hein. Elle nous a dit « j'étais attiré par vous, machin. » Une connexion spéciale. Donc ça, c'est pas moi qui ai commencé. Hein. C'est elle qui a commencé. Ce n'est pas moi qui ai soulevé la question. Je sais. Je suis désolée. Mais je ne pensais pas que ça deviendrait tellement... S'il vous plaît, changeons de sujet. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Bon, c'est quand même une gamine, hein, apparemment. Elle n'est pas très habituée à ça. Hein. Mais bon. On verra si on peut faire quelque chose, quand même. Alors ensuite, Kaidan Alenko. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage.
Ils savent que vous vous êtes pris un vent face au Conseil. Bah, normalement, ce qui se passe finalement dans la salle de transmission doit rester secret. Donc, je sais pas comment ils le savent, mais... Mes transmissions sont confidentielles, lieutenant. Oui, chef. Mais vous savez comment c'est, les rumeurs. Ils sont avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi on vous oppose une telle résistance. C'est vraiment trop con. Pardon, ça ira mieux dès que je n'aurai plus mal à la tête. Mon L2 fait encore des siennes. Donc peut-être, alors j'ai pas trop compris cette histoire de L2, L3, mais peut-être qu'il faudrait mettre un L3, donc c'est-à-dire le dispositif supérieur, quoi. Et vous n'avez jamais pensé à vous faire opérer pour passer au L3 ? Très peu pour moi, commandant. Ce genre d'opération, si ça foire, c'est direct à l'asile. De toute façon, le L2 est plus puissant. Avec un L3, je n'aurai plus mal, mais je perdrai une partie de mes capacités. Et puis, le jour où je retournerai chez Conatix, il pleuvra des grenouilles. Je croyais que Conatix avait disparu de la circulation. Oh, ça oui. Ils ont disparu sans faire de bruit. Après l'incident sur Point Zéro, Conatix s'est scindé en plusieurs petites filiales. Après le premier contact, la société Conatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément Zéro et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Conatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. On n'aurait pas pu se débrouiller nous-mêmes, sans aide extérieure. Personne ne savait par où commencer. Il avait déjà fallu plus de 2 ans pour faire le rapport entre les os et les pouvoirs biotiques. Sans aide, on en serait encore à essayer de déplacer des objets sans se briser tous les os du corps. Mais avec les nouveaux instructeurs, on n'a pas gagné au change. Des experts, donc des extraterrestres. Exactement. Des Turiens, pour être plus précis. C'est pour ça que Conatix a choisi de garder le secret. On sortait à peine d'une guerre contre eux. Vous imaginez la réaction du public ? Il aurait peut-être mieux valu faire appel aux Asari, non ? La société ne voulait pas passer par la citadelle. Question de fierté, vous comprenez ? Alors elle a engagé des mercenaires Turiens. Ils ont agi dans l'intérêt de tous, j'en suis sûr. Pas dans le nôtre, en tout cas. Ils ont engagé un ex-militaire Turien, le commandant Virnus. Un vrai salopard. Il avait carte blanche pour développer nos pouvoirs biotiques, quitte à nous briser pour y arriver. Au bout d'un moment, ça a fini par dégénérer. Bah là, on parle un petit peu de discipline militaire, hein, voilà. Faut savoir être strict. D'après ce que vous me dites, il n'était pas pire que les instructeurs du camp de Macapa. Ceux-là, c'était de vrais brutes. Virnus était dur avec nous, mais pas pour notre bien. Il aimait ça. Enfin, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec. Je dois retourner à mon poste, commandant. On est là pour sauver le monde, pas pour le refaire. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Eh bien, la mort de... l'éminence grise, enfin bleue, enfin bref, de Benezia, ça devrait ralentir sa reine. Par contre, je plains le docteur Tsoni. La pauvre. Vous pensez que j'ai bien fait, pour les Rakhni ? Ça reste entre nous ? Si on avait eu le choix, j'aurais préféré que le Conseil s'occupe de ça. Aucun de nous n'a connu la guerre Rakhni. On n'est pas les mieux placés pour juger de ce qui est bon ou pas. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant ? Disons que le problème avec la reine Rakhni, parce que je sens que ça va m'être reproché très souvent, hein. Le problème des Rakhni, c'est qu'ils ont l'air assez instables, hein, et assez influençables. Hein. Moi, j'ai pas très confiance, quand même. Alors oui, j'entends bien, parce que je sais que ça peut m'être reproché, que... alors je connais un petit peu la saga, hein, vous le savez. Si je fais une saga, c'est que je suis assez sûr de mon coup, et bien évidemment que j'ai déjà fait Mass Effect 3 dans ma vie. Donc je sais pertinemment que ne pas tuer la reine Arachnie vous rapporte plus de points. Mais encore une fois, je rappelle à tous ceux qui se posent la question... que moi, mon but, c'est de faire une aventure qui soit personnelle. Hein, voilà. Donc, effectivement, j'aurais pas le maximum de EMS, hein, voilà. C'est-à-dire les fameux points de guerre, là, hein, qu'on doit récolter dans Mass Effect 3. Hein. Mais ça n'a aucune importance. Hein, voilà. Pour moi, je fais l'aventure comme je la ressens par rapport à mon personnage. Voilà. Honnêtement, si j'avais été à la place
de Shepard, moi j'aurais pas eu confiance de laisser s'échapper une bestiole pareille. Hein. Voilà. Faut quand même essayer de s'imaginer ça, quoi. Vous laissez s'échapper une arachnie quand même. Donc réfléchissez bien, et je pense que vous arriverez à penser que vous auriez sans doute fait pareil que moi. Ou alors vous n'auriez rien fait. Mais à la limite, s'il y avait eu l'option, j'aurais pu la saisir, mais là, on était obligé de faire un choix. Soit on la libère, soit on la tue. Par prudence, moi je laisse pas s'échapper une bestiole pareille. Voilà, c'est tout. Il vous faut des provisions ? Alors oui. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Alors, oui, voir ce qu'on peut vendre ici. Donc, on a du 2, on a du 5 et du 4. Donc, on va vendre du 2 et du 3. On va pas vendre le 4, parce que c'est quasiment toute la... tout notre stock. Donc, voilà. Ensuite, on va parler à Monsieur Garrus Vakarian. Si on arrive à lui parler. Commandant, voilà. Comment allez-vous ? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC ? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes ? Oh, comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits, quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. Et oui, son père voulait être fier de son fils, donc ça, je peux tout à fait comprendre. J'imagine, oui. D'un autre côté, il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de sa reine. Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir spectre il y a quelques années, pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez spectre ? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Voilà qui est parlé comme un authentique officier du SSC. Mon père m'a assez rebattu les oreilles avec pour que ça reste. Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Donc là, Garrus me plaît de plus en plus, vraiment. Ce type est quand même génial, honnêtement. Donc là, je suis totalement d'accord avec lui. Vous apprenez vite, Garrus. On va le battre à son propre jeu. Là, on sera sûr du résultat. Comptez sur moi, commandant. Ouais, c'est un bon, Franchement, c'est vraiment un bon Garrus, là. Il a les bonnes méthodes, ça j'aime bien ça. Alors ensuite, Ashley. Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Bah si j'ai entendu, on peut imaginer que c'est un parent, peut-être. Votre sœur, je présume. Jusqu'à ce que je la tue, oui. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà ? Sony ? Mais c'est vrai que ça circule vite, Je viens à peine de la quitter. Qu'elle est dit au courant, quoi. Putain, c'est hallucinant. Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. C'est ce qu'elle pense vraiment, peut-être, on va voir. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire ? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même ? Bon, on va essayer de discuter un petit peu avec elle, parce qu'elle a l'air un petit peu jalouse, Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés, surtout moi et mes sœurs.
Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Votre père était marine ? Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommé artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Et votre mère, vous n'en avez pas parlé ? Vous savez comment sont les femmes de militaires ? Fortes par nécessité. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des gosses quand monsieur part 6 mois en vadrouille. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mes parents avaient tous les deux envie d'explorer les nouveaux mondes. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Vous avez plusieurs sœurs, famille nombreuse on dirait. Ça oui, c'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec 4 filles, mon père disait qu'il se sentait plus débordé à la maison qu'en manœuvre. Donc c'est peut-être elle qui a élevé finalement ses sœurs. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore ? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse. Vous voulez en parler ? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Les hommes cherchent à conquérir les femmes, c'est dans leur gène. C'est dans leurs jeans, plutôt. J'ai intérêt à le garder boutonné en présence de mes sœurs s'ils tiennent à leurs bonbons. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Pourquoi vous n'avez pas averti la police ? Mais elle disait que ça n'aurait rien arrangé, que ça aurait fait du tort à Mike comme à elle. C'était une petite colonie. On s'est dit qu'après tout, c'était son choix, et on l'a laissé juge. Mais ça a rendu ma mère furieuse. Vous dites que vos sœurs ont appris l'autodéfense ? Lynn a appris à se servir d'un pistolet, mais elle n'a jamais aimé ça. Ça la rend nerveuse. Sarah a choisi l'aïkido. Abby, ça a été l'escrime. Elle a toujours été un peu bizarre, le genre à porter des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit, ça lui allait très bien. Qu'est-ce que vous avez appris ? Un des amis de mon père m'a enseigné le close combat des Marines. Vous dites que vos sœurs ont appris l'autodéfense ? Lynn a appris à se... Ceci dit, ça lui allait très bien. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école ? Ce n'était qu'à 10 années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardée d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux. Je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Ah, intéressant, mais s'ils sont tous comme ça dans la famille, ça promet, hein. Ils ont l'air quand même assez violents, hein. Sacré gamine, en effet. Et votre père ? Vous n'en avez pas parlé. Il était mobilisé ? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Ah bah alors ça alors, elle aime la poésie. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire ? C'est quoi ces conneries ? Non, on va dire quand même... on va dire quoi ? Rimbaud ? Je ne savais pas que vous aimiez la littérature classique. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père.
Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant ? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bats les pattes. C'est cela, oui. Ce n'est pas un zombie, quand même. Vous savez, depuis le ciel. Enfin, le ciel après l'espace. Ça vous pose problème que je crois en Dieu ? Ah non, justement, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Voilà, ça fait partie de la tradition. Donc, je vais lui dire que moi aussi, je suis croyant. Vous connaissez le dicton ? Il n'y a pas d'athée sous une pluie de bombes. Les pluies de bombes, ça me connaît. Oui, je veux bien vous croire. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante ? Oui, vous avez déjà regardé par le hublot ? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose ? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Au sujet des Rakhni, vous voulez dire ? Ils étaient dangereux, commandant. Ils l'ont prouvé il y a 2000 ans. Vous avez pris la bonne décision, commandant. Vous savez, vous devriez vraiment parler à Tsuni au sujet de sa mère. Elle doit se sentir mal. À vous de voir, commandant. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Bien. Mais c'est vrai qu'on doit dire qu'avec Ashley, on est souvent d'accord sur un bon nombre de sujets. Elle a la foi, elle est quand même dans une famille plutôt traditionnelle. Donc tout ça, c'est des bons points, ça, quand même, hein, globalement. Donc là, franchement, pour l'instant, entre Liara et Ashley, j'ai toujours pas choisi. Alors, il y a la grosse question, c'est de se dire, bon, puisque dans mon équipe ultime, il y a Kaidan, fatalement, Ashley doit sauter. Pas forcément, hein, je peux très bien faire le choix, par exemple, de quand même virer Kaidan pour prendre Ashley. Hein. Donc tout ça n'est pas décidé. Hein. Tant pis, on prendra quelqu'un d'autre pour l'équipe ultime, quoi. Hein. Donc, c'est-à-dire notre commando à trois. Hein. Donc, même s'il n'y a plus Kaidan, on prendra quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas bien grave. Garrus, par exemple. Enfin, on se démerdera, quoi. Mais ça, c'est pas forcément parce qu'il y a Kaidan dans le commando que Ashley va virer. Pour l'instant, j'hésite encore, hein, donc on verra tout ça. Faudra que je fasse un choix au bout d'un moment. Hein. Allez, on va parler à Vrex, hein, et ensuite, il n'y aura plus que Mademoiselle Talizora. Alors, Saren est en fuite. Ce serait bientôt fini. Saren n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais ? Il est pourri jusqu'à la moelle, oui. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant ? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. Ça, c'est à moi d'en décider. Dites-moi d'où vous connaissez Saren. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que Saren recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement, quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que Saren faisait sur ce vaisseau ? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. Deux mercenaires l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. J'ai même pas attendu la paye. Qu'est-ce qu'il transportait ? Que voulait sa reine ? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. S'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. À qui appartenait le vaisseau ? C'était un vaisseau de commerce, Volus. Un gros, rempli de gardes. Mais il n'était pas de taille contre nous. C'est la seule fois que vous l'avez vu ? Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé.
Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts, sans exception. À plus tard, Frex. Shepard. Intéressant, hein, ouais. De toute façon, autour de Saren, il y a un truc qui cloche, hein, c'est clair et net. Il y a un truc qui cloche hein, avec Saren. Et c'est même un petit peu trop, sous la caricature, vous voyez. Donc il y a un truc, hein, peut-être au niveau des moissonneurs, hein, qui ne va pas. Voilà. Peut-être qu'il est sous l'influence d'une certaine énergie, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'est pas vraiment lui-même, mais c'est un petit peu trop sous la caricature pour être... réel quoi. Donc on verra, hein. On verra si ça se confirme ou pas. Et maintenant on va parler à Tali, hein, qui est la dernière. Ah, bonjour Shepard. Alors vous semblez déprimé. Vous allez bien ? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit ? Le silence vous empêche de dormir ? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si... vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Oh, elle a le mal du pays, hein. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non ? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Je dois y aller. À plus tard. Voilà, donc on en a fini avec l'équipage. Hein. Donc on a fait un petit tour. Hein. Et donc je pense que, comme je vous l'ai dit, hein, on va se rendre à la citadelle. Ce qui nous reste sans doute hein, quelques quêtes à faire. Hein. Donc on va faire ça. Et puis après, hein, je pense, alors peut-être pas aujourd'hui, hein, mais la prochaine fois, hein, on commencera Féros, hein, qui est la prochaine planète. Alors, donc déjà on va faire une petite sauvegarde. Et on va aller à la citadelle. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. Oula. Alors, passez-la moi. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Voyons voir. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Alors là, je suis quand même assez interloqué. Pour une fois, je dis bien, pour une fois, le conseil va être utile. Donc c'est vraiment... je suis content pour une fois, là, pour une fois qu'ils servent à quelque chose. Vous n'aviez pas l'air très disposé à m'aider auparavant. Pourquoi ce revirement ? Le conseil n'a jamais douté que Saren représentait une menace, commandant. Voilà pourquoi nous vous avons nommé Spectre. Nous étions toutefois réticents à déployer toute la flotte de la citadelle contre lui. Personne au Conseil ne veut vous voir échouer. C'est pour cela que nous vous transmettons ces toutes dernières informations. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les Spectres sont bien connus du public, commandant. Mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Et alors ça c'est fou, ça ils m'ont pas mis au courant.
Ils ne m'ont pas mis au courant, ça c'est quand même fou. J'aurais aimé en être informé. Nous ne pouvons pas vous envoyer sur de fausses pistes aux quatre coins de la galaxie, commandant. Si nous vous contactons, c'est que nous avons de bonnes raisons de le faire. Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Bon, on fera ça évidemment après Féroce. Hein. Pour le moment, on a plein de choses à faire, hein, donc on fera ça après Féroce. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Bien, voilà. Donc pour une fois, hein, ils ont révélé comme une piste possible. Hein. Donc on fera Virmir, mais bien évidemment on fera Virmir après Féroce. Hein. Pour le moment, on va aller à la citadelle, comme prévu. Et déjà, on va sauvegarder un petit coup à nouveau. Et on quitte hein, ce monde de glace pour retourner à la citadelle. Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard. Ici l'amiral Hackett, du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Ça devient une habitude. Hein. À chaque fois, il me contacte hein, pour avoir besoin d'aide. Hein, donc. Pourquoi est-ce qu'au moindre problème, c'est toujours à moi que vous faites appel? Vous êtes un spectre, Shepard. Et en l'occurrence, le problème est loin d'être moindre. L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome? Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales. Mais les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance. Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humain avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance, et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Bon. Je pense qu'on s'occupera de ça, hein. Mais une prochaine fois, évidemment. Il me semble bien même que c'est la mission sur Séléné, hein, sur la Lune. Il me semble bien que c'est celle-ci. C'est celle-là même qui donne accès à la classe avancée, supérieure.
Allez, on y va, cette fois, hein. On a assez perdu de temps comme ça, hein. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous dire que je pense que dès la prochaine fois, j'aurai sans doute fait un certain nombre de choses. Hein. C'est-à-dire que, en gros, j'aurai fait les missions secondaires qui sont pas très intéressantes. Hein. Donc je risque de me ramener avec un personnage qui aura beaucoup plus de niveau. Hein. Parce que j'aurai gagné pas mal d'expérience. J'aurai farfouillé pour déterrer tous les secrets sur les planètes. Hein. Les fameux phases exhaustives au Mako, hein, c'est ça. C'est ce dont je parle. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Oui, parce que comme je vous avais dit, hein, je ne vous montrerai pas tout. Je vous montrerai les quêtes annexes qui sont intéressantes à mes yeux. Évidemment, toutes les quêtes principales. Hein. Tous les DLC qui sont intéressants, c'est-à-dire, bah là, il n'y en a qu'un seul sur les deux hein, qui est vraiment intéressant. L'autre, c'est que des combats. Enfin, voilà. Hein. Et je pense que la prochaine fois, justement, j'en profiterai pour faire un maximum de fouilles et de quêtes annexes qui sont pas très intéressantes. Voilà, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se balader un petit peu à la citadelle pour finir les quêtes annexes hein, qui restent. Notre confrère, Khalisa Al-Jilani, est allé poser quelques questions au célèbre commandant Shepard, le premier spectre humain. Le commandant Shepard a su répondre à ces questions délicates, montrant à tous que sa nomination n'est pas seulement due à ses exploits militaires. Des images exclusives seront diffusées aujourd'hui. Donc la fameuse journaliste hein, à qui on a parlé, qu'on reverra hein, dans les prochains Mass Effect, hein, c'est une récurrente à elle. Mais elle est plutôt sympa parce que globalement, hein, on est plutôt d'accord avec avec le point de vue de son journal. Hein, donc bon. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, donc par où va-t-on aller? On va faire un petit tour hein, tranquillement. Donc là, il n'y a plus rien. Ah oui, Shelik, hein, c'est celui qui était agressif, qui m'avait agressé la tête. Ah maintenant. Là, y a rien. Là-haut, je crois qu'il y a rien non plus. Donc, on va pas perdre de temps. Maintenant, côté théâtre, Francis Kitt a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor, grâce à une audacieuse traduction de la pièce en gestes et en phéromones. Kitt veut également donner au public humain la chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions. Allez, on y go. Donc lui, je crois qu'on lui avait parlé, hein, déjà, il me semble bien. On va peut-être retourner à l'infirmerie, peut-être qu'il y aura d'autres choses à voir. «
Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de ces médicaments pour ma clinique. Oh que si! Sinon votre histoire ne restera pas secrète bien longtemps. Ne me décevez pas, docteur. Commandant Shepard, je ne vous avais pas vu entrer. Donc là, visiblement, le docteur Chloé Michel a des problèmes. C'était qui, sur le holo? Que voulait-il? Un fantôme de mon passé. Je m'en charge. Expliquez-moi ce qui se passe. Je me suis fait virer de mon boulot précédent pour avoir donné des médicaments gratuitement à des cliniques comme celle-ci. Je n'ai jamais fait l'objet de remontrances. Ils voulaient juste que je m'en aille sans faire d'histoire. Mais quelqu'un a dû fouiller, et maintenant on me fait chanter. Je dois leur donner ce qu'ils veulent. Si le directoire découvre mon passé, je pourrais perdre ma licence. Ils fermeraient ma clinique. Donc là, faut absolument que je l'aide. Hein. Je peux peut-être vous sortir de là. Dites-moi ce qu'ils veulent. Je dois donner une partie de mes médicaments à un marchand des Halles. Il faut que je livre aujourd'hui. Donnez-moi le nom de votre contact, je m'occupe de lui. Mais si vous faites ça, ils ne vont pas mettre leur menace à exécution ? Oh non, pas après ce que je ferai. Hein. Ils ne vous ennuieront plus, je vous le garantis. Je vois. Il vaut peut-être mieux que je n'en sache pas plus. On m'a dit de parler à un marchand nommé Morlan, au Halles. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Ouais, mais je le connais, Morlan. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Bonne chance, commandant. Faites attention. Je vois même très très bien où c'est. Donc on va s'y rendre. Hein. Puisque le docteur Chloé Michel est sous ma protection. Elle me fournit des médigels, hein, donc ça suffit pour que je la protège. Donc si quelqu'un s'en prend à elle, je vais m'occuper de cette personne, ça c'est évident. Ça va biller. C'est pas une preuve d'achat, ça. Non, c'est un relevé bancaire qui prouve non seulement que je... Salut, commandant. Konrad Werner. Vous vous souvenez? Ah oui, alors lui, c'est le fan. Ouais, c'est le fan. Vous n'aviez pas le temps de discuter l'autre fois, mais je comprends. Être le premier spectre humain, c'est pas un job à mi-temps. Bon, comme à chaque fois il revient, hein, cette fois je vais pas lui dire de se barrer, on va lui demander ce qu'il veut. Hein. En effet, je n'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais juste vous dire à quel point je vous trouve formidable et je pourrais vous prendre en photo. Allez, peut-être qu'il me lâchera la grappe, hein, si j'accepte. Si vous voulez. Ok, levez un peu votre flingue. Nickel! Ah, merci, commandant. Je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon. Oh, ma femme va être folle. Bien. Bon, bah, au moins, peut-être que je le reverrai plus. Hein. C'est ça qui est bien, peut-être. J'espère, en tout cas. Bon, allez, on va parler à Morlan. Hein. Qui est ici? Bonjour. Bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Vous attendiez une livraison de médicaments. Mais je croyais que c'était le docteur qui me les apporterait. Changement de planning. Un changement? Mais le docteur, il y a quelque chose qui ne va pas, humain. L'affaire Morlan. J'avais bien dit à Bates que tu foutrais le bordel. C'est quoi ce merdier? Toi, t'es qui? Son pire cauchemar. Laisse le docteur tranquille ou tu vas avoir affaire à moi. File-moi les médocs et tout se passera bien. Sinon, je raconterai partout le petit secret du docteur. Donc, là, j'hésite. Soit je l'intimide. Donc là, j'hésite un petit peu. Allez, je vais l'intimider quand même. Ses secrets restent enfouis ou c'est moi qui t'enterre. Hé, tranquille! Je suis qu'un intermédiaire, moi. Moi, je suis pas assez bien payé pour m'embraguer là-dedans. Merci, Ma. Ça fait du bien de le voir humilié de la sorte. Bien. Qu'est-ce que vous savez sur Baines? Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai travaillé qu'avec celui qui parlait au docteur. Bon, il sait rien du tout, donc on peut repartir. Au revoir. Très bien.
Comme vous voulez. À bientôt, humain. Donc du coup, j'imagine qu'il faut revenir vers le docteur Michel, hein, maintenant, pour lui dire que tout va bien, maintenant. Oui, bien sûr, je vais vous reprendre ça. Merci, ça n'a jamais bien marché, de toute façon. Hé, hey, vous allez le rembourser, lui ? Vous voyez que je vous ai dit hein, que la citadelle était plutôt jolie, mais là on voit quand même que c'est une image. Hein, là, vous voyez, c'est pas très beau parce que justement c'est une image. Hein. Là on le voit très bien. D'ailleurs si on zoome dessus, vous voyez que c'est pas très beau. Hein. Allez, on va annoncer la bonne nouvelle au docteur Chloé Michel. Hein. Commandant, comment ça s'est passé? Il ne vous ennuiera plus. Vraiment? Vous m'ôtez un poids de la conscience. Merci. Je ne peux pas vous payer pour votre aide, mais je vais vous faire une réduction sur tout ce qu'il y a à vendre ici. Donc moi j'aimerais quand même en savoir un petit peu plus sur Baines. Le criminel travaillait pour un certain Baines. Ça vous dit quelque chose ? Il y aurait bien Armistan Baines, un collègue avec qui j'ai travaillé il y a longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet ? De ce que j'en sais, l'armée de l'Alliance lui avait proposé un contrat de recherche du côté de la Travée. Le capitaine Anderson le connaît peut-être. Oh, on peut mener l'enquête, hein, ça peut être intéressant, pour pas qu'il nous fasse chier à nouveau. Hein. On peut toujours lui poser la question. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Je peux faire autre chose pour vous, commandant ? Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être passé. Bien. Alors, en fait, j'y pense là, mais Morlan avait des produits qu'on n'avait pas achetés. Hein. Donc on va peut-être y retourner. Hein. Je suis désolé, j'ai pas pensé tout de suite, mais on va peut-être retourner très vite fait chez Morlan pour acheter les produits qu'on n'avait pas achetés. Et ensuite on continuera vers une autre zone de la citadelle. Ça sera mieux. Je crois qu'il y avait un mode pour grenade ou un mode de Medigel, on va voir. Oui, humain. Vous avez besoin de quelque chose? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits. Vous allez voir. Alors. Donc là, a priori, il n'y a rien. Ou alors j'avais peut-être tout acheté, je sais pas. Oui, humain. Que de bons produits. Oui, humain. Que de bons produits. Ouais, non, il n'y a rien. Donc j'ai peut-être tout acheté, je sais pas. Donc on va continuer. Je pense qu'à l'antre de Coras... Ah tiens, il y a Finch, là, c'est qui? Alors c'était vrai. Je n'arrivais pas à le croire. Shepard est devenu un vrai soldat. Un soldat pressé. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous foutez là? Moi, c'est Finch. Tu ne te souviens sûrement pas de moi, mais on était tous les deux avec les 10th Street Reds. Enfin, t'as peut-être oublié que t'étais dans un gang avant. En tout cas, j'ai vu aucun holo qui parlait de ça. Les holos ne disent jamais la vérité. Alors Finch, qu'est-ce que je peux faire pour les Reds? Un gars à nous, Kurt Weissman, s'est fait choper par des Turiens. Il faudrait que t'ailles causer aux gardes Turiens dans le bar et sortir Kurt de là. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter? Pour un rien. Il devait avoir un peu de sable rouge sur lui, rien de bien méchant. Tu sais comment sont les Turiens. Ils ont estimé que c'était grave et maintenant, ils vont lui coller un procès. Tu serais pas en train de me demander de l'aider à se faire la belle, là? Mais non, voyons. Mais il paraît que tu sais t'y prendre avec les aliens. Tout ce qu'on te demande, c'est de leur en toucher deux, trois mots pour nous. Et qu'est-ce qu'un raid faisait dans l'espace turien?
Les raids ont beaucoup évolué, Shepard. On fait un peu de récup par-ci, un peu de transport par-là. Tu vois, quoi. Bon, déjà, je vais voir de quoi il en retourne, mais a priori, c'est un humain. Donc, comme je favorise les humains avant tout, je peux voir de quoi il est question, mais je ne promets rien. Je vais parler aux Turiens, voir ce que je peux faire. Merci, Shepard. Je savais bien que t'avais pas oublié tes vieux potes. Le garde est à l'antre de Coras. File-nous un coup de main, et t'entendras plus jamais parler de moi. Bien. Donc là, c'est limite du chantage, hein. Il veut ternir ma réputation. Donc je vais voir ce que je peux faire, hein, mais j'aime pas trop ça. Ah voilà, c'est lui. Peux vous aider ? Vous avez un prisonnier du nom de Kurt Weissmann. Je voudrais qu'il soit libéré. Il y a tellement de choses que je voudrais, humain. Les sociétés modernes reposent sur nos désirs. Et le xénophobe restera sous notre garde. Point final. Quelle peine encourt Weissmann ? Étant donné qu'il a tenté de commettre un crime xénophobe, il sera sans doute condamné à la prison à perpétuité. Ah, c'est quand même cher payé, hein. Il a tenté de faire un crime, donc si ça se trouve, c'est un montage de toutes pièces en plus, hein. Pourquoi dites-vous que c'est un xénophobe ? Il a reconnu son appartenance à plusieurs organisations anti-aliennes. Il a attenté à la vie de Turien en raison de leur race. C'est un crime xénophobe, et il sera jugé en tant que tel. De quoi Weissmann est-il accusé ? Il a tenté d'empoisonner une cargaison médicale, destinée à sauver une colonie turienne d'une terrible maladie. S'il était parvenu à ses fins, des millions de personnes seraient mortes. Cet humain est un dangereux xénophobe. Alors, le problème que j'ai avec cette histoire, c'est qu'apparemment, c'est que des tentatives. Hein. Voilà, c'est comme si je disais, je vais tenter d'assassiner Obama. Donc, il y a des gens qui pourraient me dire, Balthazar a tenté d'assassiner Obama, mais ça ne veut rien dire, je n'ai rien fait. Hein, voilà. Donc, c'est un peu crétin de penser comme ça. Donc, il va me le remettre immédiatement. Je n'aimerais pas avoir à tuer tous vos gardes juste pour le libérer. Pourquoi voulez-vous qu'il soit libéré ? Ça fait partie de votre mission ? Ou vous faites ça parce qu'il est humain ? Donc là, il va m'obéir et vite fait, quoi. Je suis un spectre, je n'ai aucun compte à vous rendre. Libérez Weissmann immédiatement ! Le conseil aurait dû savoir que les humains n'étaient pas assez mûrs pour gérer autant d'autorité. Je vais libérer le prisonnier. Les Turiens au moins respectent la loi. Voilà, je préfère. Bien. Donc... Ah, voilà Arkin, hein, on se souvient de lui. Laissez-moi. Le fameux Arkin, hein, qui m'avait bien fait rire la dernière fois. Hein. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici, hein, donc on peut se barrer. Donc, on va emprunter le Citadel Rapid Transit. Et on va aller au quartier des finances, par exemple. Voilà. Je peux te dire que ce n'est pas ce que Jack aurait voulu. Parce que tu crois connaître mon mari mieux que moi, maintenant. Écoute, tu as perdu la tête. Tu mets la vie de ton bébé en danger. Ce bébé, c'est tout ce qui me reste de Jack. Donc là, apparemment, il y a une dispute, hein, entre un mec et une meuf. Donc je vais voir si je peux les aider, hein, quand même. Je me fiche de ce que tu penses, Michael. Je suis la seule à pouvoir prendre cette décision. Tu as déjà laissé ton chagrin te faire du mal, Rebecca. Ne fais pas la même erreur avec ton bébé. Je peux vous aider ? Allez-y, vous. Peut-être que vous arriverez à lui faire entendre raison. T'as raison. Tu peux te la garder, Michael. J'ai dit non, c'est non. C'est ma belle-sœur. Elle est enceinte et elle refuse que le bébé bénéficie d'une thérapie génique in utero. Je croyais que c'était quasi systématique. Jacob, mon mari, est mort d'une maladie cardiaque rare il y a quelques mois. Justement, il y a un risque que le bébé développe le même problème, mais une simple thérapie génique permettrait de l'éliminer. Un risque infime, Michael.
Et les rapports que j'ai lus sur Extranet disent qu'elle pourrait faire du mal au bébé. Bon sang, mais même les améliorations standards de l'armée sont plus dangereuses que ça. Il y a un gros risque que le bébé développe un problème au cœur. Une chance sur 50, d'après les médecins. Et encore, il existe des traitements. Qui sont loin d'avoir la même efficacité que la thérapie génique. Quel est le risque que la thérapie soit nocive pour le bébé? Une chance sur 300, à tout casser. Sauf qu'il y aurait peut-être des effets à long terme dont on n'aurait pas idée. Si jamais c'est à mon bébé que ça arrive, je me demanderai toujours si je l'ai tué sans aucune raison. Donc là, le calcul est vite fait, hein, il me semble. D'un côté, on a une chance sur 50, et de l'autre, une chance sur 300. Si on suit la logique pure, c'est évidemment la thérapie qu'il faut faire. Il faut faire la thérapie. Donc, je vais lui proposer de suivre la thérapie. Si vous voulez mon avis, vous devriez essayer la thérapie. Je n'ai rien à faire de votre avis. Pour qui vous vous prenez? C'est mon enfant, ma décision. Il faut avant tout qu'elle pense à l'enfant. Hein, là. La mort de votre mari vous empêche de voir les choses en face. Vous voulez que votre bébé y passe aussi? J'ai vu Jacob mourir, sans rien pouvoir faire. Cette fois, j'ai une chance d'agir, de sauver mon enfant. Oui, grâce à la thérapie, justement. Vous n'êtes pas responsable pour votre mari, mais si vous refusez la thérapie, vous pourriez avoir la mort de votre enfant sur la conscience. Mais vous ne comprenez pas! Je ne peux pas perdre ce bébé! C'est tout ce qui me reste de lui! Et toi et ce bébé êtes tout ce qui me reste de Jacob. Après ce qui est arrivé, je ne peux pas vous perdre, ni l'un ni l'autre. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt, au lieu de me crier dessus? Je ne sais pas. J'avais peur, je suis désolé. Si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, je vais essayer la thérapie. Merci pour tout. Je pense qu'on avait besoin de quelqu'un pour nous faire comprendre le point de vue de l'autre. Et ben voilà! Tout est bien qui finit bien avec moi. Du coup, on a réglé ce petit problème. Bah là, il me semble que c'était logique. Là, il n'y avait pas vraiment à hésiter. Vu les probabilités qui étaient annoncées, ça me paraissait assez logique. Mais des fois, quand on est pris par l'émotion, on voit pas la logique en face. Bon, là, je crois que on va s'arrêter là, les enfants. Donc, on va se rendre vers le téléporteur le plus proche, on va revenir vers la baie d'amarrage, et puis on s'arrêtera là, tout simplement. Voilà, donc je vais enregistrer ici, donc je vais faire une petite sauvegarde. Bon alors apparemment j'ai gagné encore 2 points, donc je vais mettre dans alors soit lévitation, soit porte-étendard. Alors là on gagne quoi? Augmente la protection biotique, ouais pas mal mais sans plus. On va plutôt investir dans la lévitation pour l'instant. Voilà. Ensuite, Kaidan. On va investir dans la lévitation. Et Talizora, on va mettre décryptage. Et on va sauvegarder. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, sans doute que la prochaine fois, vous retrouverez peut-être un Shepard un petit peu différent, avec des niveaux en plus. Alors je pense que je ne mettrai pas les niveaux que je gagnerai, comme ça je les mettrai devant vous, mais ça n'empêchera pas que j'aurai gagné de l'expérience, donc j'aurai pris des niveaux supplémentaires. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous pour la partie suivante, qui sera sans doute la 12e partie, et je vous dis à plus.